dialogue qui est là. Amen. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Something new. Le Seigneur vous a voulu un bagage quand même pour nous asseoir. On nous remet. Parce que vous apparaît pendant que nous avons applaudi. Nous toujours campé. Nous avons welcome ni des chers. Nous toujours campé. Pour nous welcome Pasteur Fritz Gilles. C'est qu'à la fin, Pasteur Fritz Gilles finit prêcher. Nous attendons de voir Pasteur Gérard qui est avec nous. Nous avons un collègue qui est à la gloire du Seigneur. On va le Seigneur groupe la main. Amen. Met Chita. Alors, je suis venu pour prêcher pour une semaine. Donc, moi, un pasteur dit qu'on a fait un parler. Il dit l'homme doit vivre 70 ans. Mais il dit pour les plus robustes, jusqu'à 80 ans. Donc, après 70, ça, son extension. Donc, comme moi, je fais une semaine déjà, donc, ça, son petit extension. Amen. Alors, mais extension, qu'on a goût. En pile fois, parce que bon Dieu qu'on réservé en pile bagaille. Donc, merci pour même qui l'a. Content ouais en pile dans nous. Je suis content de papa Pasteur Georges. Je suis content de voir l'homme qui venu. Et première fois, je suis content de voir l'homme. Et je suis content de famille en tout. Son famille que nous apprécions, moi, mais ouais, famille. Et je suis content de voir missionnaire qui sorti, Orlando, Pasteur Almouza qui l'a encore à soi. Et tous les frères et sœurs qui sont réunis pour nous bailler bon Dieu gloire. Pas découragé parce que bon Dieu a une surprise pour nous. Amen. Parce que je voulais chanter, on chante, pour qu'on va accompagner là. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive à deux tranchants dont les coups sont assez puissants pour briser l'âme la plus dure? Et malgré la plus forte armure, pour pénétrer jusque au cœur, c'est la parole du Seigneur. Quel est le vent impétueux qui mugit et descend des cieux? Et dont la voix grave et sévère semblable à celle du tonnerre fait trembler l'âme du pécheur. C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant suave et doux qui d'en haut venant jusqu'à nous parle de grâce et de clémence, réveille en nos cœurs l'espérance et calme partout la douleur? C'est la parole du Seigneur. Amen. 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 Quelque soit ta voix, vent yo en pile. Quelque soit ta voix, tonnerre en pile. Eh bien, parole bon Dieu, li kon calme vent yo. Amen. Li kon calme situation difficile yo. Pour triompher dans combat yo, n'est-ce pas vrai? Pas gen force ici bas qui capable aider yo. Mais la parole de Dieu li capable aider yo. Amen. Ensuite, moi, je voulais parler, moi, je voulais dire bon Dieu qu'on agit. Amen. Combien de monde qui croit ça? Bon Dieu qu'on agit. Et le il agit dans le lit, dans le temps. Ouvrez Bibo avec moi dans acte 12. Acte 12. Acte chapitre 12.
Acte chapitre 12. M'appelle verset 1er. Revenons verset 19. Alors, m'ka parler tout pour économiser temps. Parce que à soi, à notre remè, Jean service a commencé à pour nous finir à l'œuvre vraiment. Amen. Acte 12, verset 1er. Nous t'as arrivé dans verset 19. Mais oui, on va aller vite. Il dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. On aurait été là. Parole, bon Dieu. Bon Dieu, qu'on agit. Amen. Nous avons un thème semaine ça qui dit mandé. Vous va joindre. Chercher. Alors, mandé là-bas où? Et chercher. Vous va joindre. Frapper. La louvrir pour. En ce service-là, les guider dans un sens. Et tout à fait spécial. Non sans que nous besoin intercéder, nous besoin prier. Il est important pour nous intercéder pour l'Église baptiste missionnaire de la grâce. Et qui témoin dire, intercession son gros bagaille. Intercession son gros bagaille. Mon intercéder a même le dit camper devant mon Dieu. Camper devant mon Dieu. Et camper, c'est comme si on fait pont. Comme si, moi, c'est Braga qui vous l'a dit. Ou à intercéder, ou à parler, ou à plaider. En cause. En faveur de un monde. En faveur de un groupe ou en faveur de l'Église. Passage ça me saute là. C'est un passage qu'on connaît. Parce que lui parlait de. Arrestation de Pierre et comment que Hérode était fait arrêter Pierre et te mettre lui en prison et qu'on est Pierre c'est une disciple une apôtre de Jésus-Christ et c'est une monde qui était là dans fondation l'église là et c'est un monde qui gagne pile importance non seulement pour bon Dieu, mais pour l'église là tout. Et arrestation de Pierre, on a dit c'est un coup dur pour l'église primitive. C'est un coup dur pour l'église parce que Pierre était là, il t'a servi et voilà qu'il y a une persécution qui levait. Ils ont arrêté Pierre, ils ont mis en prison. Regardez parfois, bon Dieu, il doit décider de pas agir. C'est pas vrai? Par exemple, la Bible dit, il a tué Jacques, frère Jean.
Donc, bon Dieu quitte, il a tué Jacques. Donc, il y a des bagailles, ça, oui, il y a des bagailles, bon Dieu qui t'est arrivé. Mais il y a des fois tout. Il agit, bon Dieu, il est souverain. Il fait salver. Même je te dis, non, mais ça, là, pendant ce moment-là, il y a des bagailles où il doit demander bon Dieu. Et puis, il ne pas répondre. Il est souverain. Il agit, j'en veux. Il fait salver, l'élever, côté l'élever. Parce que il est souverain. Mais dans le cas Pierre là, bon Dieu te décide de faire un bagage spécial. Dans le cas Pierre là, il te voulait faire un bagage spécial. Même Jean moi croit tout dans le cas l'église missionnaire baptiste de la grâce à bon Dieu comme un spécial à faire. Qui est-ce qui dit amen? Même Jean ça me croit. Bon Dieu comme un spécial que le voulait faire. Et en pile fois nous qu'on ouais bon, je me toujours dit dans l'église côté, mais je me dis, en pile fois, bon Dieu agit dans un moment de crise. Ça veut dire, bon Dieu pas toujours agit les bagages faciles, l'or à l'aise. Mais en pile fois, c'est dans la persécution. En pile fois, c'est dans la difficulté. C'est dans le problème, bon Dieu pral à agir et montrer comment lui, son bon Dieu qui est extraordinaire. Frère Maxime, arrestation de Pierre, il t'a semblé comme si ça était dans volonté bon Dieu. Il y a quelques situations qui arrivent dans route. Ou ka boue ba yo semblé au noir. Ou ka boue bagay yo semblé au difficile. Mais ça ka entré dans volonté bon Dieu. Yon seul bagay besoin rassurer ou. Pasteur Doko. Yon seul bagay besoin rassurer ou. Les bagay yo t'apparaît noir, yon seul bagay besoin rassurer ou. Entendez ça me dit ou besoin rassurer ou que ça subi à l'ina volonté bon Dieu et que ou même on a présence bon Dieu parce que tant de yon bagay gen en pile bagay qui rive sur tout c'est ou qui a tiré sous la vie ou tant de samedi oui et en pile fois laisser ou qui a tiré sous la vie bon Dieu qu'on quitte pour le ouais jusque quand on arrive mais gen des bagay tout c'est bon Dieu qui épreuve là même qui a passé à l'épreuve bon moi prendre samedi gen des pongongon bon me dit la créole gen des pongongon qui entrent dans la vie c'est où qu'entrent dans la vie et laisser où qu'entrent dans la vie bon Dieu a délivré oui mais l'a quitté comme si l'a quitté l'a gardé ou pour le reste côté ou privé l'a délivré oui mais gen des l'autre bagage qui arrive dans la vie c'est bon Dieu même les mêmes qui a éprouvé ou bon gros auteur qui est qu'on livre, monsieur son gros auteur, l'écran pile bas dans le leadership, John Maxwell, monsieur dit, en pile fois, bon Dieu, les formes et caractères petits liés à travers épreuve. C'est à travers difficulté que bon Dieu forme caractère petit liés. Donc, en tant que serviteur bon Dieu, bagaille pas toujours facile. Mais seulement besoin rassurez-vous, ou dans volonté bon Dieu, besoin rassurez-vous que bon Dieu est avec vous. Les tout bagay yo semblé noir. Les semblé pas gen côté pour passer. Yon seul bagay que l'église ka fait. Yon seul bagay qu'on ka fait, c'est tourner vers bon Dieu. C'est tourner vers bon Dieu dans la prière parce que la prière pas grand rien, li pa ka faire. Nous chanter la prière, la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. Il dit la foi nous rend victorieux. Donc les situations et gagner les batailles. Donc les bagailles paraissent noires, les bagailles paraissent difficiles, c'est pour nous tourner face nous vers le Seigneur. T'es un homme qui était intelligent en pile. C'était lorsque plusieurs l'armée s'est mettait ensemble pour venir combattre Ézéchias. N'est-ce pas vrai? Et il dit, dans toute sa frayeur, ça veut dire, monsieur, t'es peur. Bon, dans tes bagailles. Les situations difficiles, ce n'est pas qu'on n'a pas peur, non? Ce n'est pas qu'on n'a pas peur. Parce que on n'a pas peur. Ou pas qu'on peur. Ou pas qu'on n'a pas peur. Moi, je suis un bagaille qui gagne la caille. Moi, depuis que j'ai un pile bagaille pour me faire, je suis un peu plus réalisé que je saute. Je n'ai pas besoin d'où les situations difficiles. Vinn sou tout ou a peur quand même mais on a bagay ko besoin la foi ou besoin le courage courage pa vle di pa peur
courage, vous l'avez dit, c'est affronter situation hein, avec la foi. Et c'est ça, me le courage. Donc, mes frères, tourner dans la prière, c'est important. Et moi, ce thème, ça l'est bien tombé. Mandez bon Dieu là-bas, cherchez ou à joindre et frappez ou à ouvrir. Mais cherchez à mander à, nous besoin de mander dans la condition pour nous capables de joindre. Pour moi, je voulais attirer attention dans le passage qu'on saute là, Pierre en prison. Regardez le scénario. Pierre était important en pile pour Hérode. Pierre son prisonnier qui était important pour lui. Pourquoi ça me dit Pierre était important pour Hérode? Il barricadé Hérode. Généralement prison ça yo, yo fait son sorte de prison souterrain. Le souterrain. Il dit qu'on premier escouade soldat qui avait le 4. Il met un deuxième escouade de 4. Il met un troisième escouade de 4. Yon quatrième. Donc, si tu apprends 4 soldats de 4, li fait environ 16 soldats. Et pas 16 soldats d'un seul côté, non? Dans plusieurs, plusieurs portes. Et portes, ça n'est pas des portes dans nos petits portes, ça, non? Des gros portes prison. Gros portes. Et puis, soldats qui bien armés. Parce que soldats roméo, c'est des mounions qui bien armés. C'est même, j'en t'ai dit, aux États-Unis, là, on parlait de. Moun ki nan l'armée Nevio, n'est-ce pas vrai? C'est des moun yon seul soldat li capable de combattre n'importe 1000 moun. C'est des soldats qui solides, yon bien armés. Et y a veillé yon seul prisonnier. Mais gen yon nan bagay kon pral wè nan histoire là, li dit nan demain, yon pral rele Pierre pou yon jugel et pou yon fini avec li. Mais elle dit l'église tombée dans la prière. L'église passait nuit là dans la prière. La prière c'est une force que liée. La prière c'est une force. Et pendant que l'église a prié, eh bien bon Dieu pas qu'à camper. Bon Dieu l'a fait un bagaille quand même. Le nom rassembler ensemble. Tout à l'heure, pasteur dit qu'on ne sait pas si c'est pour ce Saint-Esprit. Il fait une chaîne de prière. Ça veut dire en pile. Dans l'église, côté nous organisons, nous organisons ça, nous faisons chaîne de prière. Nous faisons chaîne de prière. Nous faisons chaîne de prière là. On a souhaité avant d'aller là, nous faisons des choses comme ça. Nous faisons des prières de 24 heures. Comment nous faisons prière 24 heures? C'est-à-dire, chaque une heure, il y a un groupe de monde qui a prié. Chaque une heure. Ça veut dire 1h, 2h du matin, il y a un groupe qui a prié. 2h, 3h du matin, il y a un groupe qui a prié. En fonction de disponibilité. Yo. Et des fois, nous faisons pour une raison bien déterminée. Ça veut dire que nous avons une raison pour demander mon Dieu en bagaille, pour nous intercéder. Nous n'avons pas tout pas qu'à réunir au seul côté, pour avoir tant de monde. Donc, tout le monde est disponible. 1h de temps de la prière. Et ça peut être fou, oui. Ça compte faire gros effet. Gros effet, mes frères. Et pendant que l'église dans la prière, la Bible dit, bon Dieu, voyez un ange. Bon Dieu, voyez qui ça y est? Un ange. Et dit, les anges l'arrivée, une lumière qui brillait dans la salle côté, Pierre Théa. Elle dit, tout soldat y dormi. Et lumière a brillé dans la salle là. Et puis l'ange l'a frappé Pierre. Il dit, Pierre, levé. Et il y a une bagarre que Moum dit. Il dit, au moment que l'ange l'a venu, au moment que lumière l'a frappé, chaîne qui était dans la main, Pierre yo, cassé. Amen. Chaîne qui était dans Pierre yo, cassé. Les crises vini. Puissance Satan fin brisé. Les crises vini de l'eau dans yeux yo su. Suivez. La prière, pas de chaîne campé devant la prière. Vous n'avez pas que me dire à soi, bon Dieu, pas jamais retard. Bon Dieu, les toutes bagages finies. Bon Dieu, les intervenir. N'est-ce pas vrai? Pour Ewod, pour Ewod, prisonnier ça, les finir avec. C'est pas ça?
li nan mel, pas gagné café encore, donc demain la fini avec elle. Mais let tout moun dav le wè tout bagay fini, jan da di ya, let tout moun di point, bon Dieu di point, la lèye tout n'est pas fini. Il dit plusieurs disent à notre sujet, qui nous fera voir le bonheur, et puis il répondit, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Chaîne yo, mes frères, yo capable symboliser en pile bagay. Lumière, li symbolise connaissance. Lumière symbolise la présence de Dieu. La présence, bon Dieu, là, chen yo, pas karité. Et chen yo, nous disons, t'as capable symboliser plusieurs bagailles. Chen yo, nous t'as capable dire, je dis, yo symbolise péché. La lumière, bon Dieu, brille yon côté, péché pas ka camper. Amen. Péché pas ka camper. Yo t'as capable symboliser maladie tout. Les lumières, bon Dieu, brillent en côté, maladie a guéri. Problème, yo a résoudre. Vous connaissez des bagailles, malgré ou converti. Je vais dire à la fois. Malgré ou converti, mais ennemis qu'on utilise en série de faiblesse pour gagner, pour qu'on enchaîne. Les qu'on utilise en série de faiblesse pour qu'on enchaîne. Et ça fait à soi, nous besoin prudent, nous besoin Dieu nous l'ouvrir, c'est ça la lumière de la parole, Libanon, lui ouvrir l'esprit, nous son série de bagailles, et qui permettent de nous délivrer de chaînes à yo, de ennemis qui marrent nous. Chaînes yo tombées. Les chaînes yo tombées, n'est-ce pas vrai? Pierre est libre de tout mouvement. Je dis à ennemis, il y a une bagaille qu'il a fait, livre les nous prisonniers, livre les fermer bouche nous. Oui. You n'a pas que nous avons livré fermé bouche nous. Mais la lumière de la parole, li là pour l'aider nous traverser difficulté yo. La prière d'intercession li gon grande efficacité. Et ça fait à soi à frères et sœurs dans un moment tout spécial ça m'mando pour intercéder sous genou pour l'église baptiste missionnelle de la grâce, il gon grosse semaine de réveil et nous quoi semaine ça la bonne semaine de grande bénédiction. Ou même à souhait qui gagne un projet, ou même à souhait qui gagne, par contre, qui gagne difficulté quoi traverser, n'est-ce pas vrai? C'est ennemi qui voulait enchaîner, c'est ennemi qui voulait mettre barrière, mais qui était la lumière de l'évangile, les capables de casser chaîne. Amen. Les capables de briser chaîne. Parce que pas de chaîne, pas de porte en fait, qui est capable de camper devant le Seigneur, pas de chaîne que le Seigneur n'est pas brisé. Donc la prière est capable de délivrer de toute chaîne. Lumière là, je l'ai dit tout à l'heure, elle symbolise la présence de mon Dieu. Elle symbolise la face de Dieu. Et lorsque c'est même lumière ça qui a frappé Paul sur la route de Damas. Et c'est même lumière ça qui a frappé dans la prison. Quand tu as lumière, bon Dieu, tu n'es pas qu'à camper. Quand tu as lumière, tu n'es pas qu'à camper. Nous sommes une semaine ça, nous te dit un bagage, oui. Nous te dit ou pas qu'à mander dans les ténèbres. Ou pas qu'à chercher dans les ténèbres. Pour chercher, ou besoin de lumière. Même gens avec dame qui était perdu, drague blanc. Qui ça le fait? L'illumer lampe. Pour le chercher. Qui ça le fait encore? L'ibaler quand elle a. Pour le capable chercher drague blanc. Qu'il était perdu. Ya. Parce que drague la lumière là, tu veux dire en pile volé. Donc la lumière elle symbolise la présence de Dieu. Et côté aux ténèbres, pas qu'à résister. Il dit le monde y a vivre dans ténèbres, il a préféré ténèbres à la lumière. N'est-ce pas vrai? Et c'est force ténèbres yo qui t'a guidé Hérode, qui t'a fait arrêter Pierre. Il y a un pile bagarre qu'a fait dans le monde là, c'est parce que les hommes y a vivre dans ténèbres. Eh bien, je dis à nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous avons pile force ténèbres qui environnent nous. Nous avons pile force ténèbres qui barrent nous et qui a menacé nous, qui a attaqué nous. Et en pile là-dedans, il a fait nous peur. Et c'est peut-être ça nous besoin unir nous dans la prière. Nous besoin reconnaître voix ennemi. Nous besoin reconnaître lorsque c'est ennemi qui a attaqué,
lorsque c'est l'ennemi qui a frappé. Et là, nous dans la situation ça où l'église besoin unir dans qui ça besoin unir dans la prière. Parce que la prière pas gagne rien, li pas cap faire, pas gagne chaîne, li pas casser, pas gagne porte que le pas l'ouvrir, pas gagne route que le pas cap faire. Bon Dieu l'autre petit bagaille. Bon Dieu grand, hein. Bon Dieu grand. Le bon Dieu a pas agi, même comprendre ou pas comprendre ça. Gede bagaille bon Dieu pral faire pour ou? Gede bagaille bon Dieu pral faire pour ou? Même ou même qui t'a mandé là, oui. Même ou même qui t'a cherché là, même ou même qui t'a frappé là. Bon Dieu pral faire pour ou qu'arrive un moment ou dit oh, c'est vrai. Donc bon Dieu pral faire saisir à soi. Mais seulement rete la caille bon Dieu. Rete dans volonté bon Dieu. La Bible dit zange là prend Pierre, Pierre passe son premier porte, soldat abdomi. Li passe son deuxième porte, soldat abdomi. Et puis yon ba la Bible dit porte yo ouvri pour kontyo. Porte ouvri pour continuer. Li passe son premier porte, il ouvre, soldat abdomi. Li passe son deuxième porte, porte yo l'ouvre, soldat abdomi. Un troisième porte, porte yo l'ouvre, soldat abdomi. Un quatrième porte, soldat abdomi, jusqu'à ce que li prend la rue. Combien de monde qui croit que bon Dieu capable ouvrir porte devant yo? Porte qui ferme, le Seigneur capable ou? Ouvrir yo. Si vous priez avec la foi. Si nous prions avec la foi. Et si nous prions dans l'unité tout. Li dit si nous deux, amen. Si nous deux accordons nous pour nous aller dans la prière, pour nous demander bon Dieu en bagaille. Attendez, oui. Li dit si deux moun accordent yo pour aller dans la prière pour demander bon Dieu en bagaille, bon Dieu a répondu. Ça ta montre que si nous pas unique nous et puis n'a mandé on sait de bagaille qu'on vient à faire. Dans l'église là nous combat nous fait nous dit deux moun nous croit plus qui capable vraiment jouer nos bagages dans le bon Dieu uni dans la prière nous dit l'église c'est une parce que l'église son communauté de frères et de sœurs lorsque nous réunis bon Dieu agit puissamment mon connaît madame ma monsieur de toute boyal devant bon Dieu pour un bagage bon Dieu avec ça c'est oui parce que unité a lieu de fait dans cœur dans pensée il est uni n'est pas uni sous pomme mon frère dans l'église là comme dit il dit en pile fois là n'a pas accolade c'est vers sur frotter mais cœur pas frotter. Il dit en pile fois est vers sur frotter nous frotter vers sur mais cœur pas frotter. Donc il pas vers sur pour nous frotter à Saint-Georges mais c'est cœur nous qui pour frotter ensemble. Il est nous réunis ensemble pour demander au bon Dieu un bagage. Je n'a dit mandé la ban nous mais faut nous unir nous ensemble pour nous demander bon Dieu un bagage et bon Dieu après pour nous, frères et sœurs, et les bon Dieu répond nous, je ne te dis pas dans ce maintenant, tout ça bon Dieu fait, c'est bagaille extraordinaire. C'est bagaille qui pour étonner le monde. Nous va voir comment bon Dieu va agir pour nous-mêmes. Même Jean t'a agi pour toi, jeune, hébreu dans la fournaise là, c'est pas vrai? Bon Dieu qui agit. Même Jean t'a agi pour Daniel dans la force au lion. Hein? Même Jean t'a agi pour Anne. Bon Dieu capable agir pour vous. Dans problème ou dans maladie ou là. Dans situation difficile ou là. Dans défi ou gain devant là. Bon Dieu ka agi pour vous même. Ou mettant des monde dit qu'on c'est de maladie incurable pas devant l'Éternel. Bon Dieu ka agi pour vous. Donc assoya. M'a invité nous chaque qui là. Pour nous intercéder et prier et croire que bon Dieu est capable d'agir pour nous. Pendant ce moment, pasteur dit que montons cellule de prière. Les mettre dans le téléphone. Les mettre dans le téléphone. Faire des groupes de prière spécial pour fin semaine. Ça. Amen. Pour fin semaine. Et je crois que bon Dieu est son bon Dieu de délivrance. Même Jean t'a délivré Pierre.
dans prison, il est capable de délivrer nous tous. Amen. Même si une chaîne est tombée, elle est cassée, pas une chaîne que bon Dieu n'est pas capable de craser. Pas une prison que l'Éternel n'est pas ouvert. Quelle que soit la prison, l'Éternel est capable de l'ouvrir. Il est capable de délivrer de chaînes de l'inquiétude, chaînes de la misère, chaînes de la souffrance, chaînes du péché. Quelle que soit la chaîne qui t'a voulu bloquer, le Seigneur est capable de délivrer. Bon Dieu qu'on agit. Amen. Bon Dieu qu'on agit. Il est capable de parler, délivrer. Donc, restez la caille, bon Dieu. Que bon Dieu capable de nous assurer. Et quoi que, pas grand rien, absolument rien qui est possible pour bon Dieu. Bon Dieu bénis-nous.